Bras dessus-dessous, soudés, 75 ans après, ils ont traversé le portail en fer forgé du camp d'Auschwitz. Au-dessus de leur tête, les mots tristement célèbres « Arbeit macht frei ». En allemand, le travail rend libre. Bonnet et vêtements à rayures bleues et blanches, c'est vêtu symboliquement de l'uniforme des prisonniers que les rescapés du camp ont déposé des couronnes de fleurs au pied du mur de la mort. Ce mur où des milliers de détenus ont été abattus par les nazis. Le recueillement cède vite la place à l'émotion et aux souvenirs. Jadwiga est née dans le camp quelques mois à peine avant sa libération. Ma mère me tenait dans ses bras, un bébé de 4 mois, alors qu'elle se tenait dans la file qui menait à la chambre à gaz. À ce moment, ils se débarrassaient de tous les prisonniers. On se rapprochait de plus en plus, et un des Allemands m'a vu. Il m'a regardée, et comme j'étais un bébé blond aux yeux bleus, il m'a mise à part et m'a dit que je vivrais. C'est comme ça qu'on a survécu. Le camp d'Auschwitz-Birkenau est l'un des 6 grands camps d'extermination, au sein desquels plus d'1 100 000 personnes, pour la plupart juifs, ont trouvé la mort. 75 ans plus tard, les survivants appellent à ne pas oublier et à lutter contre l'antisémitisme partout dans le monde.